Salut à toutes et à tous, c'est Sandra ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode, le deuxième tutoriel base rebelle. J'avais fait le premier, voilà, c'est dit. Et donc maintenant, on s'attaque au deuxième et ça sera les murs aujourd'hui. Alors, avant de commencer, vous pouvez voir, j'ai placé deux canons, un ici, là un petit truc, mais ça va disparaître, et là un autre de mon invention, plutôt pas mal. Il y a des petits réglages à faire. Vous pouvez voir qu'il amène à un deuxième poste avancé. Un peu comme celui-là, mais en plus haut. Donc voilà. Donc poste assez sympa. Hein. Il n'est pas totalement fixé pour l'instant parce qu'il va peut-être changer de place. Mais voilà. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au mur. Donc ça va être chaud. C'est les débuts d'une base, les murs. Il faut pas trop se foirer. Bon, ça prend du temps. Parce que justement, on hésite. On regarde et tout, on fait des essais. Donc voilà. Donc moi je vais faire une base pas trop grande quand même. Partir à peu près d'ici. Ce sera le maximum. Couper jusque là. Et jusque là. Voilà, un gros carré. Comme ça. Donc, pour faire ces murs, j'ai pas mal de briques. Et vous pouvez voir que j'ai des briques comme ça. Et j'ai des briques, c'est pas le meilleur exemple, briques comme ça. Alors, lesquelles j'utilise moi? Pour faire mes murs, j'utilise en premier celle-là. Parce que c'est des briques épaisses et je trouve que comme mur d'intérieur, hein, comme par exemple vous faites une séparation entre l'armurerie et la salle des commandes, je mets pas ces murs-là parce qu'ils sont trop épais. Je mets ceux-là, ils prennent moins de place et c'est plus joli. Donc je garde cela pour les murs extérieurs et cela pour l'intérieur. Donc on va faire les premiers murs, hein, on va faire tout le tour de la base. Donc la base je la vois avec un étage où il y aura sûrement la salle des commandes en haut ou alors le conseil des Jedi, hein, ça sera un peu cheaté mais bon voilà. Et ici ce sera un hangar ou une allée, on verra. Avec un champ de bataille. Enfin voilà, des trucs comme ça. Donc... je fais les murs et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à toutes. Et nous revoilà et vous pouvez voir, pardon, et vous pouvez voir qu'on a un petit problème. J'ai commencé à faire les murs. Vous voyez, trois de hauteur déjà. Mais il manque. Vous pouvez voir qu'ici il me manque des briques. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser celle-là, les longues. Et puis, je vais les mettre comme ceci. Histoire que on voit le mur là, mais qu'on, ici, ça fasse une petite différence. Comme ça, après, ça peut faire, ça peut faire sympa aussi, comme ça. Donc, voilà. Donc, je vais reprendre. Mais c'était pour juste pour vous montrer les problèmes qu'on pouvait rencontrer pendant la construction. Allez, on se dit à tout à l'heure. Et voilà, les murs sont terminés. J'ai fini. Hein. Vous pouvez voir des murs plus grands que les personnages, c'était le but. J'ai eu du mal, il me reste pratiquement plus de pièces. Et oui, c'est parce que j'ai... Avant, c'était pas une base avec beaucoup de pièces. Il faudrait que je fasse une commande, mais bon. Ça va attendre mon anniversaire, au moins. Donc voilà. Je vais donc finalement me raviser. Ça sera juste un toit. Une partie avec un toit, un peu comme dans la base là-bas. Il n'y aura rien dessus. Je ne sais pas où je ferai mon conseil des Jedi. Il n'y en aura sûrement pas. Tant pis. Pour le prochain tuto, on n'a pas terminé hein, ensemble. On va faire maintenant les murs intérieurs. Le prochain tuto, ça sera le champ de bataille. Hein. Finalement, je vais faire moins de tutos que ça. Ça va me prendre moins de temps. Je sais pas. Est-ce que je fais un tuto on va faire comme ça. On va faire un tuto salle des machines, salle importante. Et on va faire un tuto décoration autre. Voilà, comme ça, ça fera un petit tuto en plus, parce que la salle des machines, la salle des commandes, c'est quand même une salle importante. On va faire un tuto pour l'armurerie, enfin, on va faire pas mal de tutos.
Et bien évidemment, deux tutos, je pense, sur le champ de bataille, parce que ça prend de la place, hein, ces champs de bataille, c'est important. Donc, on va faire maintenant les murs de la base, et puis on se dira au revoir. Alors, pour les murs de la base, il me reste quelques pièces, hein, quand même. Mais il me reste surtout, et là, je vais les utiliser, c'est les pièces vitrées. Comme ceci. J'en ai une autre qui est très très bien. C'est celle-là, voilà. Alors, l'avantage de ces vitres, bon, elles sont rares un peu. Il faut les acheter. Ça coûte un petit... Ça coûte pas très cher. Mais elles prennent surtout de la place. Hein. Et de la hauteur. Vous pouvez voir que... Hop. Voilà, avec ça, je suis sûr de m'en faire un bon toit. Donc, je vais utiliser ces briques. Et puis, je vais en avoir quelques autres. Donc voilà, et puis j'ai encore quelques briques là-dedans. Donc on va espérer faire un bon truc. Donc on refait une petite ellipse, hein, jusqu'au moment où j'aurai terminé. Allez, à toutes. Et voilà, c'est fini. Les murs sont terminés. Les murs de la salle des commandes, hein. Je viens de les terminer à l'instant, donc vous pouvez voir une salle plutôt grande, hein, des commandes, avec, il faudra vous imaginer, beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de machines. Regardez les pièces qu'il me reste, j'en ai plus, vraiment plus beaucoup, hein. C'est un peu la dèche. Mais bon, je suis content de ce que je viens de réaliser avec vous, hein. Je m'imaginais pas faire une très grande base, je savais à quoi à peu près elle allait ressembler, hein. Je savais que j'allais avoir ce problème là. Mais je trouve qu'on s'en sort plutôt bien, finalement. Donc, vous pouvez voir que j'ai mis des baies vitrées ici. Ici, j'en ai mis une là. Là, il y a la porte. Là, il y aura la porte, plutôt. Plutôt grande, je vais pas faire de porte coulissante. Hein. Pour l'entrée de la base, je sais pas comment je vais faire, mais bon, on trouvera. Donc voilà, avec le toit. Plutôt sombre, hein. Normal. Et ben c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire si elle vous aura permis de réaliser quelque chose, ou s'il faut que j'améliore la qualité ou des trucs comme ça, si le contenu est suffisant. Et puis je vous dis à très bientôt donc pour le prochain tuto qui sera l'aménagement maintenant de cette salle. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.